Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Mais nous pas perdre du temps, n'a commencé. Cool, yeah.
événement qui nous unit ce matin n'est sans doute un secret pour personne. Fraîchement installé dans sa nouvelle fonction, le directeur général, M. Léon Charles, a jugé opportun de s'adresser à ces différentes unités de la PNH. M. Léon Charles est un cadre de la fonction publique qui, au cours de ses 29 ans de service au sein des forces armées d'Haïti, de la police nationale d'Haïti, du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et du ministère des Affaires étrangères et des cultes, a œuvré pour le renforcement des structures de sécurité du pays. Militaires, policiers de formation et diplomates de profession, il a touché du doigt les problèmes récurrents de la société haïtienne et s'est rendu à l'évidence qu'Haïti a grandement besoin de l'attention soutenue de ses fils et de ses filles pour l'identification des causes profondes des malheurs et la recherche des solutions adaptées à la complexité de sa situation politique, économique et sociale. Monsieur Charles est aussi un fervent défenseur de l'approche selon laquelle la stabilité politique indispensable au développement économique, social, durable du pays doit passer nécessairement par une mobilisation des ressources de la nation autour de la concrétisation des étapes suivantes. La modernisation du registre d'état civil et des données nationales, la création d'un centre de renseignement national, la formation d'un conseil national de sécurité, l'instauration d'un cadre national de service civique et l'implémentation des recommandations d'un livre blanc de défense et de sécurité nationale. Monsieur Léon Charles parle couramment, en plus du créole et du français, l'espagnol et l'anglais. En tant que fonctionnaire de l'administration publique haïtienne, il a été mis à la disposition du ministère des Affaires étrangères comme conseiller ministre conseiller en matière de sécurité. À ce titre, il a suivi et a négocié avec nos partenaires techniques et financiers tous les accords et collaborations au profit de la police nationale d'Haïti. Monsieur Léon Charles est donc un technicien doté d'une solide expérience et de savoir-faire en matière de sécurité qui est appelé à prendre les rênes du haut commandement de la police nationale d'Haïti. Une fonction hautement stratégique dans la mise en œuvre de la vision et de l'exécution du plan de sécurité dont on a tous besoin dans notre pays. Et voilà, c'est ce professionnel, cet expérimenté de la sécurité ou de la chose publique tout court, qui est appelé à prendre les rênes de la police nationale d'Haïti et que nous invitons sans trop tarder à délivrer son message de circonstance. Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, messieurs et madame, membres du haut commandement de la police nationale d'Haïti, mesdames, messieurs les invités, policiers et policières, j'ai l'insigne honneur de prendre la parole en ce jour par devant vous, en cette circonstance. C'est pour moi un honneur de revenir au service de la police nationale d'Haïti
après des années au service de mon pays dans d'autres fonctions. Je remercie le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, ainsi que les divers membres du gouvernement pour la confiance placée en mon humble personne, pour servir une fois de plus la nation en tant que directeur général de la Police nationale d'Haïti. Je m'en voudrais de ne pas saisir l'occasion pour donner au Premier ministre et aux représentants du chef de l'État l'assurance de mon dévouement et la garantie de mettre tout mon savoir-faire et toute mon expérience au service à la fois de la gouvernance institutionnelle de la PNH et de la gouvernance sécuritaire du pays. Je m'en voudrais aussi de ne pas profiter de cette occasion pour exprimer au directeur général sortant mes plus profonds respects pour le travail qu'il a accompli durant toute sa longue carrière au sein de l'institution policière, notamment pendant les 15 mois passés à la tête de l'institution. Au nom du personnel policier et à mon nom propre, je vous souhaite du succès dans vos futurs projets professionnels. Mesdames, Messieurs, les menaces contre l'État haïtien et sa population sont multidimensionnelles. La plupart proviennent de l'extérieur du fait de l'évolution du monde, notamment de la globalisation. D'autres proviennent de l'intérieur même du pays. En vertu de ce fait, la Constitution de la République d'Haïti attribue à l'État le devoir de protéger sa souveraineté, de garantir la jouissance totale des droits, de protéger la population des menaces contre sa sécurité et de faire, d'une manière générale, la promotion du bien-être. La sécurité, comme nous le savons tous, est un bien public qu'il nous incombe de protéger. Pour ce faire, l'implication et l'engagement de toutes les couches de la société sont fondamentaux dans la démarche visant à garantir à toutes les citoyennes et à tous les citoyens le droit de jouir pleinement de ce bien public qui est la sécurité. J'invite toutes les composantes de la société, en dépit de la diversité d'opinions et de vues, à unir leurs efforts à ceux de la police nationale pour la création de systèmes de sécurité efficaces et efficients, au service du pays, bien sûr, du bien commun et du développement durable de la société, en accord avec la devise de la nation, l'union fait la force. Les défis actuels de sécurité sont de taille, vous le savez tous. Cependant, nous ne pouvons et nous ne saurons laisser notre société subir les assauts de l'insécurité continuellement. Nous devons tous ensemble freiner l'insécurité et faire revenir la paix et la quiétude dans nos rues et partout sur le territoire national. Avec la collaboration et la participation de tous, nous pouvons relever ces défis. Policiers, policières de tout rang, grade et qualité, j'ai accepté aujourd'hui de prendre à nouveau les rênes de notre prestigieuse institution au moment qui me semble être le plus critique à la fois dans la vie de la PNH et dans la vie des citoyens que nous sommes appelés à protéger et servir. Après seulement 25 années d'existence, l'institution policière, il faut l'avouer, est affectée durement par des dynamiques de rivalité et de division déstabilisatrice qui malheureusement ont la faculté de remettre en question la qualité du commandement et la capacité de l'institution d'intervenir efficacement dans la lutte contre l'insécurité. Outre ces conflits interpersonnels, la PNH fait face, s'il faut le rappeler, à un mouvement de revendication de certains policiers qui, quoique légitime, peut aussi, à travers certains de ces modes d'expression, anéantir les deux piliers sacro-saints, à savoir la discipline policière et la confiance de la population.
Ces deux piliers permettent à toute force de police de prétendre être une institution démocratique. Mesdames, Messieurs, le personnel policier administratif, si j'insiste ici sur les défis qui menacent la stabilité de l'institution policière et par voie de conséquence, son image et ses capacités opérationnelles, c'est parce que je veux interpeller chacun de vous sur l'urgente nécessité de conjuguer nos efforts afin de permettre à nos différents ou à nos revendications d'évoluer vers un dépassement plutôt que vers une confrontation pouvant causer l'effondrement même de l'institution. Le moment est venu, dis-je, de taire nos rivalités internes et nous engager dans cette entreprise citoyenne salutaire de renforcement de la gouvernance institutionnelle et de la gouvernance sécuritaire du pays. Mesdames, Messieurs, défi sécurité aujourd'hui dans la société a du grand. Nous tous comme ça. Cependant, nous pas capables et puis nous pas permettre société nous en cibi attaque sans cesse en bas force fait noir à bandits qui a simé la terre. Qui a mis de l'eau dans j'ai maman et papa petit. Qui moun dans la société a qui pas victime en bas insécurité. Même si vous pas victime directement, vous connaissez un monde qui proche ou au soir. On sait connaissance qui victime. Faut que ça fini. Faut que van ça suspend couler. Faut que parents suspend des pieds sauter. Leur voyez petit sur l'école, au soir, dans l'université. La vie a fait pour tout le monde. Mais c'est pour tout le monde qui a marché droite. Et puis qui respecte droit l'autre monde. Place pour tout bandit, sans distinction, c'est derrière Barreau. Nous tous doués ensemble, main en main, pour nous couper en sécurité et puis pour nous rétablir la paix. Avec la tranquillité dans la rue nous yo, dans la ville nous yo, dans la campagne nous yo, et dans tout pays. C'est pour bête paysan qui aurait été dormi sans danger dans sa vanne. C'est pour tout le monde qui a fréquenté route nous yo, sorti dans une ville pour aller dans l'autre, senti yo en sécurité. Chahé la loup, mais il n'est pas impossible pour nous porter. Avec collaboration, participation de tout le monde, nous sommes capables de lever le défi. Sécurité, nous tous besoin, c'est le résultat d'engagement total, tout haïtien, sans distinction, qui aspire pour la paix, la justice, avec respect pour la dignité du monde. Moi, remercier. Directeur, pour tout travail qui était fait avant moi. L'idée de fonction, ça y est, dans un moment difficile de la vie nationale. Nous saluons l'effort, commandant été fait pour te satisfaire de demande. La population, dans mes îles, était capable. Moi, j'ai souhaité, commandant Rameau, succès dans toute reste carrière, et pour Abdili, nous voulons continuer le travail avec lui, pour qu'il renforce l'institution. Hein? Et moi, longer mais par tout directeur généraux qui étaient passés avant moi. Nous besoin consultation, nous besoin appui de tous. Bien place pour nous tous. Nous tous remettons la police là, nous tous gagnons contribution nous capables. Sécurité, c'est une condition essentielle pour n'importe quel pays. C'est un facteur fondamental pour préservation de l'identité nationale et exercice de souveraineté efficace sur le territoire république noire.
population compte sur nous pour mettre en place conditions pour garantir sécurité. Dans la perspective ça, c'est un impératif national pour nous prendre contrôle tout territoire pour bénéfice tout haïtien. Toute zone dans le pays doit être accessible pour tout citoyen qui veut visiter. Ou soit arrêté là dans l'île. Il n'y a pas question pour certains groupes à faire d'appuyant sur certaines zones dans le détriment de la reste population. Les arrivées pour tout groupe ça y a réalisé que Haïti, c'est pour tout Haïtien. Action malhonnête que groupe avec certains monde a fait contre citoyens paisibles, révolter conscience nous tous. Action malhonnête ça y a doit suspendre. Kidnapping doit suspendre. Tout le monde doit suspendre. Vol, viol et tout l'autre acte malhonnête doit suspendre. La police nationale a déjà fait un pile effort pour lui mettre au service de la population. Pour le mettre au service de la population. Cependant, nous comprenons tout ce que je dis à demander nous pour faire plus d'efforts dans l'institution noire pour nous satisfaire les besoins de sécurité. Qui donc? En bas, commandement moi, police nationale là, pour le mettre sans réserve dans le service de la population. Pour la population joint de sécurité, pour la population joint tout service qui besoin dans la police nationale là. C'est peut-être ça, moi engagé moi pour me travailler avec tout membre police nationale là. Tout employé civil yo, tout monde qui a collaboré avec l'institution pour nous offrir population un service de sécurité que la tonne, les tous les poids tonne pour le jeune homme. Nous-mêmes policiers font connaître population. Remets-nous. Nous comprenons la nouvelle dynamique que les policiers réunis en syndicat pour poser problème à la police. C'est une belle approche que de faire dans la discipline et le respect. M'a répété. Nous comprenons la nouvelle dynamique que les policiers réunis en syndicat pour poser problème à la police. Mais pour le fait, dans le cadre, respect de la discipline, respect de la hiérarchie. Pour moi, renforcer samedi, tout policier, t'es foncément d'allégeance, nous t'es prêté serment, nous levons les mains devant le rapport pour nous dire, nous prenons engagement pour nous protéger et servir. Pour me rappeler ça, m'avait invité un policier, tant que moi-même, tant que nous tous, reprenne ce message. Je jure sur mon honneur et devant la collectivité de respecter et de faire respecter la Constitution, le drapeau, les lois et règlements que régissent les forces de police nationale, de protéger les droits et libertés de tous les habitants sans aucune forme d'ostracisme ou discrimination, de maintenir l'ordre, la paix, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publique sur toute l'étendue du territoire, et de me comporter en toutes circonstances comme un honnête édile auxiliaire soumis aux ordres des autorités établies par la Constitution. Nous demandons aux policiers reprennent seulement que nous tous t'es prêts l'un t'a participé dans la première cérémonie officielle l'un sous l'information. Nous prenons tous l'a songé et nous tous n'a frémi le policier a dit ça. N'a revu le moment l'un t'a fait entrer dans la police. Donc c'est ça qu'on doit faire. Être policier, c'est un métier qui est très noble. Chaque policier est supposé se sentir fier qu'il a protégé la population. Pour protéger, bon sacrifice pour faire. Nous t'ai choisi
policiers, c'est parce que nous devons contribuer pour bailler la population sécurité et gouvernement pour être capable d'exécuter le programme que l'on a pour être capable de travailler le service social, l'école, la santé, tout le bagage. Si nous-mêmes si nous ne nous pas respecter seulement ça, que des fois nous avons tendance à oublier. Et c'est ça moi-même en tant que commandant chef de la police, là, je viens de dire nous. On retourne dans la base. On analyse la mission ça que nous prenons, l'engagement ça que nous prenons, l'un de fait rentrer dans la police. Là. La police a déjà 25 ans que la baille service. Des fois, elle baille à un niveau très haut, des fois, elle baisse. Ou au moins, c'est qu'elle a une tendance permanente. Ou au moins, en tant que chef de police, c'est travailler avec vous pour améliorer les conditions de travail des policiers. Ou au moins, c'est travailler avec le président du CSPN, le président de la République, pendant que je prends la directive, pour bataille pour condition d'apprendre pour nous travailler plus bien, que nous joignons. La police, les policiers, généralement toujours répéter la trilogie ça, une mission des hommes et des moyens. La mission est claire. Assurer la sécurité du pays. Les hommes sont présents. Vous avez pris l'engagement de protéger. Les moyens, généralement, ne sont pas toujours disponibles. Mais il me revient à moi, en tant que commandant chef de la police, avec le haut commandement de la police, de faire en sorte que le minimum de moyens nécessaires soit mis à votre disposition. Devise la police nationale là, je viens de dire, la protection et service. Pour atteindre vision ça, la police là doit faire appliquer la loi en faveur de tout le monde et puis contre tout le monde qui a violé. Pendant lui-même, la respecter l'engagement que l'on prend et puis tout règlement que vous mettez pour que la police fonctionne bien. C'est comme ça. En bas, commandement pas là. Respect strict pour le droit de l'homme. C'est une grosse priorité dans la police. Là. Comme nous t'ai dit tout à l'heure, l'homme qui était la police là, en 2005, j'ai été nommé ministre conseiller à l'ambassade d'Haïti à Washington. Et après, représentant permanent d'Haïti à l'Organisation des États américains, où j'ai eu à travailler avec les commissaires de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Pour que l'on connaisse, droits de l'homme viennent tourner en priorité, droits de l'homme et lutte contre la corruption, ces deux aspects, ils ont priorisé, leur gardé la bonne gouvernance. Donc nous-mêmes qui prêtons ces mains, pour nous respecter droit monde, nous pas capable verser nous dans violation droit monde. Cependant, nous connaissons en tant que policiers, c'est pas population qui est victime, nous-mêmes tous nous sommes victimes. Nous-mêmes tous, dans l'exercice travail nous avons subi des affres. Mais m'a dit nous, en tant que policiers, nous pas supposé que même réaction que monde qui pas formation policière. Et en tant que commandant nous, moi ben nous garantis toutefois possible commandant nous à camper dans deux nous. Commandant nous à camper dans deux nous pour faire face à difficultés que nous avons rencontrées dans l'exercice travail. Mais le principe du respect des droits humains, les supposés, ont aspect, nous supposer, qu'il y a pas passé à côté,
fait travailler en tant que policier, Jean Buffel. En tant que commandant, moi offri collaboration. M'a dit nous, puisque c'est moi le commandant en chef, je vais passer nous tout qui l'a dit. M'a servi en tant que papa pour nous, zami pour nous. Quel que soit le problème qui gagne, après nous avons adressé avec le commandant direct nous, porte commandant en chef là, ouvrez pour nous. Bien entendu, nous avons reçu 5 000 en même temps. Nous avons programmé pour nous faire une approche de proximité. Hier soir, après avoir assumé le commandement de la police, je me suis mis au travail. J'ai rencontré le commandement. Je parle avec eux, je dis monsieur, nous avons travaillé, on j'en félicitations. Insécurité a validé, nous supposons pour nous travailler, on l'autre gens et plus. Et c'est ça m'a dit nous tous. Hier soir, moi printemps, mal visité 4 stations de police dans la zone. Simo, Udmo, Delma, Port-au-Prince. L'échange que je viens avec tous les policiers, là, m'a parlé de 10h du soir, 11h du soir, jusqu'à 2h du matin. Moi, j'ai senti gagner une envie de la part de policiers pour que le commandant rapproche de eux. Et c'est ça que m'a dit tout le commandement. Nous sommes dans le même bateau ensemble. Un commandant, les gros troupes sous côté, n'est pas supposé gagner 3 hectares. Entre le commandant et sa troupe. Nous-mêmes tous, nous supposons continuer à observer la discipline. Nous tous connaissons une tendance qu'on y a pour que des policiers, des gens qui disent aux policiers, des gens qui apprennent le livre sur la police, à utiliser l'uniforme de la police pour faire violence. Pendant que je t'ai dit tout à l'heure, nous admettons que les policiers, selon les règles, selon les règlements, sont capables de regrouper. Mais vous avez droit ça pour faire. Mais vous avez deux voies pour appliquer la loi. Même si son policier pareil, qui a fait des ordres, vous supposez, au nom de la protection de l'image de la police nationale, prendre vos réserves. Et moi-même, en tant que commandant-chef, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter parce que nous tous nous prenons engagement pour nous protéger, nous ne pouvons pas détruire. C'est pour ça que nous réunissons aujourd'hui. Pour me dire, nous, moi, dans le dernier rapport que j'ai gagné avec l'autorité de l'État, j'ai expliqué. Et moi, le budget 2020-2021, tout est fait. Budget de la police a augmenté de 6 milliards de gourdes. Budget de la police, là, mon temps lui a attribué à la police, là, le plus élevé que toute entité dans le gouvernement. Je répète. Le budget de la police, c'est 16,8 milliards de gouttes. Qui ça veut dire? Ça veut dire son effort, gouvernement dit, la police a son priorité pour lui. Toute demande qu'a fait. Premier bagage qui va le faire, qui commence à faire, qui déjà qui a continué à faire, améliorer les conditions de travail de policiers. Et puis tout leur avantage, prime, que, qui suppose bail, c'est pour nous joindre. Bonne nouvelle, Mabdanou. Moi, j'ai parlé avec le Premier ministre, nous avons discuté question de prime, avantage, une entité qui est prime ou pas. Le Premier ministre a dit, commandant, question de prime, là, c'est tout policier qui est loi avec. Parce que nous tous, nous fonctionnons dans une situation difficile.
Haïti, c'est un rare pays. Côté pression a fait de façon continue sous force publique là. Et m'kadi nous, tous les policiers qui là, nous sommes experts en sécurité. Parce que nous appelons pendant 25 ans, nous victimes, nous appelons dans les conditions qui des fois pas idéales. C'est pour me dire nous, en nous étant dans le cadre institutionnel là, moi-même, moi j'ai une responsabilité pour faire des messages à passer. Moi j'ai une responsabilité, pendant que j'ai une responsabilité pour me commander, pour me faire instruction, pour nous-mêmes mettre tête ensemble, pour une bonne sécurité, moi j'ai une obligation pour me parler avec les responsables, même si il y a un problème, pour que les policiers ajoutent minimum les besoins pour une bonne sécurité. En dernier lieu, m'a dit, tout policier est supposé fier que il a appartenu à l'institution. Mais je ne connais la police n'a pas gagné une très bonne réputation au sein de la population. Pour qui ça? C'est parce que dans une infime partie de policiers qui a fait des ordres. Majorité de la police, là, vous êtes des citoyens respectueux des principes, vous êtes des citoyens qui travaillent dur pour nous occuper famille nous, pour nous contribuer à développer la société. Mais, il y a de l'autre. Nous admettons, nous avons posé problème là, et puis nous avons bataillé contre lui. Pour nous réduire, ça ne pas dire qu'à éliminer parce que ça existait dans l'autre institution. Image de la police là. Le port de l'uniforme, jeune campé dans la rue. Jeune à travail, jeune à approcher la population. Hein. Service n'a pas essayé ça pour améliorer l'image là. Qui fait au même, en tant que policier, ou qu'à fier, pour fond demande, pour petit port, d'une policier. Je ne sais pas faire gagner parce que. Le droit dit, ça a déjà dit là. Mais c'est l'objectif. On a cité quoi travail, sous fier de lui, sous contribuer pour le fort, pour une bonne réputation, ou t'as supposé qu'à recommander à mon petit proche. Donc en dernier lieu, moi dis nous tous policiers que moi là, pour me travailler avec nous, notre travail pour nous, pour certaines. Une bonne coordination entre le commandement et les policiers, nous travaillons pour que la population soit capable de fière de nous. Tout le monde connaît Léon, son bête de travail. M'accepter pour ça, je suis sorti côté de terre pour Mila, c'est parce que je me senti bonne contribution que je me Une bonne possibilité pour me faire, je prends un engagement pour me faire. Même pas qu'à faire pour quoi. Je n'ai besoin de commandement pour me faire. Je n'ai besoin de force là pour me faire. Donc, demandez-nous collaboration. Je ne peux pas faire. Si nous ne pouvons pas faire, des fois, je vais exiger. Si nous ne pouvons pas faire, retard, absence dans le poste, je vais exiger. Je vais exiger, côté, je ne vais pas faire, je vais chercher, travailler la fête. Et puis pour nous améliorer ensemble, difficultés au US, situation difficile que nous-mêmes, policiers, n'apprenons. Merci, asseyez-vous. Toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible cette cérémonie, nous disons un grand merci
et nous donnons rendez-vous au tout prochain événement. Merci. Merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.